fait lever la République tête en bas après ILCC fin mété Yuri la tortue Romel Bien ak Ronnie Celestin trois personnalités ça dehors comme moun qui fin ravager caisse l'état. Mesdames messieurs, bagay yo vin pi grave que ça ne pas ta comprendre. Nous content ensemble avec yon fois encore présenter les principales informations sous channel là. Nous c'est sur TV 83, tout dépend de qui côté l'air et moment ou pour regarder et puis tant des vidéos ça galet chez ou parole yo en pile. Nous pas prêter, nous pral tande détails qui gagnent. Journée jodi a la, yon rapport sorti nan ONA. Passé nan ULCC, CAS, à tout l'autre bureau l'État yo, krasé plat. Après trois personnalités sa yo, yon di gagnent. Deux sénateurs la donne, ak Romel Bien qui te directeur douane nan. Ak pil l'autre moun encore qui baigné nan malversation, qui bote l'argent pays ya, al serré nan pays étranger, acheté bel kay, et puis ap gagote, peuple a ap soufri, malheureux pa ka mache, bandi fin fait sa yo vle. Mesdames, messieurs, causez yon en pile. Fois ça, l'idée générée, si vous te chita ou mettre à l'échelle ou, si vous te campé à l'boîte ou blon, ou pas le temps de causer, dans qui ça, l'argent pays a tombé, et dans qui moun yon, qui complot n'a qu'yon fait pour craser pays a nan niveau lié. Dans le reportage, signé Radio Caraïbe, et c'est rapport ULCCA qui mettait tout ou ni quantité moun qui a baigné dans la corruption, et en pile moun a posé cette question, qui ça ou pral fait, qui ça ou pral dit, ak moun sa yon, nan jou kap vinyan là, et est-ce que y a récupéré ou bien restitué tout kob nèg yo fin volé dans caisse l'état. C'est des rapports qui scandaleux. C'est des rapports qui fait état de série de cas de corruption flagrant. Et gen moun ki ta ka djou, si, sans vouloir peut-être mettre en doute le travail des enquêteurs de l'ULCC, si tout ça ULCC dit dans rapport ça aux amis auditeurs, ta vérité, mon cher, en plus de insécurité qui a été dans le pays, qui t'a fait faire ça, mon cher, nous mettons prendre décision au plus vite que possible, nous faisons un pays à Baïklia, à Moun Givlé. Dans différents dossiers, ça yo, madame, monsieur, gagné quatre dossiers qui attirent l'attention. Pierre Ounel, René, Lydia, Alexandre, qui parle là, qui suivent nous le loin, et puis Guerrier du Sol, à Grégory Lebain. Quatre dossiers, ça yo, c'est dossier ancien directeur général douanier, monsieur Romel Bel. Deuxième dossier qui intéresse dans le travail, c'est le dossier ancien sénateur Ronnie Celestin, sénateur département SAP. Troisième dossier qui intéresse, mes amis auditeurs, c'est le dossier CAS, là, notamment sous administration Sala, qui est en tête CAS. Quatrième dossier qui intéresse, c'est le dossier Madame Immacula Cantave, qui est maman ancien sénateur Yuri La Tortue. Bon, l'autre dossier encore que nous avons comme bonus matin, qui c'est dossier APN Nord. Nous allons laisser regarder, nous espérons que l'heure n'a pas fait de défaut. Mais, je ne dis matin, nous allons dire, nous avons fourni, j'ai gardé document ULCCA, mais qui ça nous joigne. Prends une chaise bas pour nous donner, nous dit l'autre. Bien causé, nous avons fait. Romel Bel, il faut expliquer ça, c'est ancien directeur général douanier qui perdit le job dans l'année 2022. En guise de rappel, dans ce même temps, M. Satégué visa États-Unis qui était coupé parce que était lié à la question de trafic d'âme en d'un pays. Dans ce second temps, les États-Unis d'Amérique ont pris le mettre aux côtés de l'ancien sénateur Ronnie Celestin comme moun qui a bien joué dans la corruption et qui était tombé en bas sanction américaine. Qui ça ULCC expliqué, madame, monsieur? Je signale unité de lutte contre la corruption en un pays que M. Romel Bel, ancien directeur général de la douane, ta riche n'a fait coup de mal taille, n'a détourné l'argent de l'État, n'a volé l'argent de l'État. Je expliquais que M. Sali même, l'État a une série de biens, tête chargée qui n'a pas gagné pour avec ça, il a comme revenu pendant tout le temps dans l'administration publique là. Dans le cadre de la déclaration patrimoine, il y a eu de Romel Bel, c'était en décembre 2022. Là, au fin de Romel Bel, selon l'ULCC, brigade de vérification et de surveillance des patrimoines au niveau de l'ULCC mobilisée, pour regarder effectivement, est-ce que ça, M. Romel Bel, dit le gain comme bien, c'est le gain vrai, est-ce qu'il mentit? Et l'ULCC collaborer avec les institutions bancaires,
ça n'est les banques, les institutions financières, avec organes publics, tant qu'unité centrale du renseignement financier UCREF, OAVCT, Office d'assurance véhicules contre-tiers, et puis Direction générale des impôts, DGI, ministère commerce et industrie. Amis auditeurs, yo rend yo compte, c'est pas des trois menti. Monsieur Oumel Bel li baye sous quantité bien li gagne. Et bon paquet bien li pas déclaré. Et c'est des bagages li fait de manière volontaire. En sérieux, monsieur. Si me travaille moins fait bien, c'est à tout honneur pour m'a parler de yo, c'est la sueur de mon front. On est qui fait 10, 20 ans, 15 ans 30 ans de travail. Donc si nèg la goncaille, l'elle chi ton côté, c'est avec fierté pour la contempler. Mais automatiquement on gagne bien. C'est en cachette ou gagne. C'est sous nom mon metel. Ou perdi moun go gagne bien, gon baï qui pas clair. Gon baï qui pas clair. Dans ça concerne des machines. Alors que monsieur a te dit lui-même son machine li gagne. Là au contacté au AVCT avec DGI, je joins l'ancien directeur général douane, il y a 5 machines qui sont nol, il y a 4 machines qui sont nol, madame. Ça fait 9 machines. Madame, monsieur Arélé, Anna Dorville Bell. Là, au contact du ministère commerce, ULCC joint que monsieur a une station de radio qui a enregistré sous nom, il y a Génération de la Ronde FM. Il a constaté que monsieur Arélé est actionnaire majoritaire dans une société qui est AIL Distribution SA que madame Anna Dorville Bell représentait légalement. AIL Distribution, selon rapport ULCCA, possédait 3 pompes gaz, amis auditeurs. Et gain 2 par mon côté Romel Bell, j'aime parler de eux. Mais ULCCA a fouillé, j'ai gardé, a fouillé zone à la Louguerrier. Yo joine citoyen gain 3 pompes gaz, gain 2 claircines, gain yon qui gère la bataille. Dans ce qui concerne compte en banque, monsieur Bell te dit qu'il gagne lui-même seulement 2 comptes en banque. Il gagne un compte en dollars dans Unibank, il gagne un compte en goud dans Soge Bank. Et madame Bell lui-même, il dit qu'il gagne un compte courant dans Soge Bank et il gagne un dépôt à terme sous nom AIL Distribution. L'AULCC a investigué, amis auditeurs. Li joine monsieur ak madame Bell a yo deux a gagné 10 comptes en banque. Et yo gagné tout des comptes qui enregistré sous nom AIL Distribution et yo une organisation qui relé remet timoun yo ou a fait social. Nous va le pour qui cette organisation ça là. Gen l'autre compte en banque toujours en dollars par exemple yo dit au jour non compte en banque là dernier ba li gen sou li un type caca rendu $23,000 américains. Yo di gon l'autre compte en banque ça m'a parlé de dépôt à terme dans la Soge Bank qui sont petit caca en $100,000 américains entre 2018 et 2022. Amis auditeurs, ULCC retracé c'est pas ni 2 ni 3 transactions tête chargée qui fait sous environ 4 comptes en banque AIL Distribution. L'aime dit transactions, des transferts, des virements, des dépôts, des retraits, c'est gros l'argent. Hein? Alors que monsieur et madame Bell pas dit ULCC si yon gen kay, et dans fouli j'ai gardé yon joine que monsieur dame yon gen 2 cas en cachette, gen yon ki tabar, gen yon ki kap haïtien, particulièrement dans Paloma, yon joine que yon gen 4 cas de terre agricole qui yon acheté pour 3 millions goud. Et, amis auditeurs, yon joine local, organisation, remeti moun yo qui n'a cap haïtien, particulièrement dans la 4e section communale Campion, dans le bassin Diamant. Pour qui ça moun yo utilise organisation ça sous prétexte qu'il y a fait social là? Selon ULCC, son organisation pour blanchir l'argent. Par exemple, entre août 2019 et novembre 2020, selon ULCC, il y a des transferts internationaux, pas moins de 6 transferts internationaux, qui fait sous nom ou bien by Mounverde, je connais si bien l'Académie ANC qui est aux États-Unis, yo joine que
Il y a 94 000 dollars américains qui allaient aux États-Unis sous compte institution ça pour payer la scolarité des enfants de Bell. Alors, qui ça voulait pour moi, vous comprenez? Compte en banque ça, qui pour organisation sociale ça, ou organisation à but non lucratif, on a jeté doué sauté ou bien rentré sous lui, il a doué destiné à faire ça qui dans mission organisation qui s'est accompagné ti moun ki orphelin, ti moun ki pa gen maman, pa gen papa, qui dans la rue, qui besoin de l'école, qui besoin de dis, qui besoin de date. Et bien qui ça rejoindre, yo joine sous compte en banque ça qui pour organisation entre août 2019 et novembre 2020, il y a 94 000 dollars américains qui sont sous l'île aux États-Unis, car je n'ai institution quoi c'est Monvende, je connais le bien, M-O-N-V-E-R-D-E, Académie ANC, pour la scolarité des enfants de Bell aux États-Unis d'Amérique. Or, selon disposition, ou bien selon statut organisation, tout l'argent qui vient pour faire rentrer sauté sous compte organisation sociale, ça, l'idoué, conforme à mission organisation, j'aime ce dire tout à l'heure qui c'est et accompagner tout le monde qui démuni. ULCC a poursuivi pour dire yo relevé des irrégularités dans obligation fiscale monsieur et madame Bell. Ça veut dire qu'ils sont bon créole. Monsieur dame ça ont entendu yo deux pour faire fraude fiscale, n'ont fait des mauvaises déclarations bay DGI. Nan menti sous ça ou gen comme revenu, sous ça ou gen comme activité en da pays. Par exemple, nan audition monsieur Bell, monsieur a expliqué que l'organisation ça gon père ou le Dukens Augustin qui dans le nord qui bali 30 000 dollars américains et puis kon bali provision alimentaire. Eh bien là ULCC écrit PA pour PA et bien mettez-la à la disposition enquête là PA Bavini yo sommet PA au lieu PA lui-même répond à sommation qui ça PA fait PA ça fait régler en assignation il signifie ULCC et là dans li tout dit comme ça lui-même depuis 10 ans c'est 150 000 gourdes li bail organisation pour ti moun ça. Oh, organisation pas existé depuis 10 ans selon document légal que ministère affaires sociales li délivré bail organisation Timounza, c'est une organisation qui existait en 2017. Donc ça veut dire, ni Père Dukens Augustin, ni Romel Bell, yo tous les deux, eh bien, a fait coquin, a baillé menti, a manigancé des bagailles pour prouver que ULCC passe sous bonne voie. Heureusement, les enquêteurs de ULCC eux-mêmes étaient vigilants. Ils ont conclu que ni Père Dukens, ni monsieur Bell, yo entendu yo pour yo blanchir l'argent à travers organisation ça que vous fait sous base APD Timoun. Dans conclusion là qui ça ULCC m'a des amis auditeurs. Il de se dit pas gain doute sous ça que ni monsieur Bell à toute madame ni yo nan détourner l'argent et yo riche de manière illégale. Deuxièmement, li mandé pour la justice notamment parquet mettez action publique en mouvement contre Bell. Pour saluer les enrichissements illicites, saluer les blanchiments des produits du crime et pour fausse déclaration patrimoine. ULCC mandé tout pour CSCC à la Cour supérieure des comptes à faire un audit sous gestion M. Bell pendant tout tel directeur général douanier dans le pays. Et ULCC mandé pour autorité compétente au niveau de l'Église catholique prendre des sanctions contre PESA et permettre PEA disponible pour aller répondre à la question de la justice comme complice dans le cadre de sa reproché, M. Bellio. Voilà pour le dossier de M. Bell. Il n'a pas rappelé, pour mon baronne, directeur général Douanza, son directeur général qui était proche PHTK, qui était proche Bouclier dans le dernier moment. Maintenant, dossier Ronnie Célestin, amis auditeurs. Pour nous comprendre bien le dossier, ça, ULCC rappelez-nous que Journal canadien La Presse te font article le 16 février 2021. Dans l'article ça, Journal la fait état d'une diplomate haïtienne à Montréal qui est Madame Marie-Louisa Aubin, qui c'est Madame sénateur Ronnie Célestin. Ronnie Célestin, ancien sénateur. Stop. Dans l'article ça, il dit Madame a acheté une villa à Laval, dans le pays Canada,
pour 4,25 millions de dollars. Et d'après l'article là, l'agence a payé un seul coup sans hypothèque. Bagay ça provoque un paquet de réactions. Il provoque des réactions sur Internet, des réactions dans les médias, même dans le salon. Il y a un débat qui a fait sur ça. Et bien, à partir de réactions, l'ULCC dit, il a décidé de fournir le formulaire déclaration patrimoine sénateur qui était fait le 25 juin 2020. Après ça, il y a monté une commission qui pourrait analyser le formulaire. Ça. Et puis, il y a sollicité de côté institutions financières et organes publics. Tout document qui permet de vérifier la fiabilité de l'information sénateur. Après ça, il y a mobilisé brigade vérification et surveillance au niveau de l'ULCC pour regarder est-ce que le sénateur n'a pas gagné l'autre bien. Eh bien, qui ça rejoint les résultats analyse, monsieur? Il rejoint que de manière délibérée, le sénateur a lui-même un paquet de biens, il n'a pas déclaré. Un paquet de biens, il n'a pas dit. Il rejoint tout. Déclaration patrimoine, sénateur n'a pas fini trop, yes. Vous comprenez? Sable en français, t'as carré ambigu. Il rejoint tout. Gagné une anomalie dans la déclaration. Il n'y a pas si c'est une déclaration le fait. Les fins sénateurs, ou bien si son déclaration le fait avant les sénateurs. Il n'a pas rappelé, loi 12 février 2008 là, fait obligation ensemble de catégories de personnalités politiques dans le pays, les obras occupés des fonctions importantes dans l'État, avant de rentrer pour dire, mais à qui ça est rentré? Il est sorti pour dire, mais à qui ça est sorti? Gagné des informations ont été demandées aux sénateurs, par exemple, s'il était dirigé un organisme public ou privé, s'il te dirige une société, s'il te gagne des actions dans une série de sociétés anonymes, ou comprend des informations concernant revenu, est-ce que l'in en location, ou comprend fonds des commerces, il a trié. Sénateur Bajem me dit combien l'argent rentre vrai. Sénateur Bajem me dit combien il gagne selon ULCC. Il Bajem me dit tout, ni li, ni madame, ni qui bien ou gagne. ULCC estime que déclaration patrimoine sénateur a pas campé son moyen, son fausse déclaration, non seulement li incomplète, mais tout li ambigu. Et qui sa commission enquête là lui-même, li joigne beaucoup de série d'institutions, tant que UICREF ou AVCT, tant que la banque, li joigne que sénateur a été menti sur toute la ligne, ou bien il a décidé pas de déclarer un paquet de bagaille. Rony Célestin dit ULCC qu'il gagne un seul compte d'épargne qui gagne 23 millions de gouttes de la donne. Or, sénateur a gagné plusieurs autres comptes dans série de l'autre banque dans le pays, tant que BPH, tant que BNC, pour ne citer ça seulement. Marie-Louisa Aubin Célestin, lui-même, il a gagné environ deux comptes dans la Banque nationale de crédit selon ULCC, sous nom Société Agro-Industrielle Anacaona SA. ULCC dit dans Unibank seulement, monsieur Célestin et madame Célestin, il a gagné 18 comptes en banque. Soit sous nom personnel yo, ou bien sous nom entreprise yo. M'a noté, zami auditeur, dans déclaration en sénateur a te dit, li genyen, zami auditeur, un seul compte en banque. Eh bien, ULCC dit, monsieur Damio gen pou yo même seul, 18 comptes en banque, dans Unibank seulement, yo gen 7 machines qui sous nom d'après données, information ou AVCT bay, yo gen 9 entreprises dans le pays, d'après information DGI bay, yo gen on station de radio qui est le modèle FM qui autorisé sous 88.3 dans Inch et dans Jacmel sous 99.5. Dans même rapport ça, ULCC dit commission qui a enquêté a révélé que sénateur a li font prêt hypothécaire le 21 août 2018 dans ONA. Sénateur a prêté 700 millions gouttes que il gagne pour le payer sous 300 mois. Et là nous sommes en 2018. C'est Jovenel Moïse qui était président. Comment est le directeur général ONA qui mourit? Chesnel. Je ne sais pas si c'est Chesnel qui mourit, papa. Je suis dans le code pour la République. Parlant de ONA, ça, je me dis que mon dossier pas travailler sur lui là. Je dis que mon gros bras en primature. Comme ça, je dis que mon ancien sénateur qui est très influent dans le pouvoir, il y a là. Monsieur, ça, mon gros lot, il est dans ONA. Vous permettez en particulier bénéficier, mais c'est lui avec moi l'agent selon ça comme information. En tout cas, des lunes dans même là, m'a retourné sous bail ONA ça. Pendant ce temps malheureux ça paye ONA, il pas qu'à joindre comme dans ONA. Mais toute dernière année ça c'est pas des trois gagotes
qui fait dans Ona. Soit Ariel Henry a la gen ti bagay, m'a vin sou ça. USS dit li a comparé bien sénateur, bien madame sénateur. Soti nan kay journal canadien parlé a qui nan pays Canada. Rive nan pile bagay yo gen ici avec déclaration que sénateur a fait comme patrimoine, yo c'est la nuit avec la journée. Et USS dit le constater bien sénateur augmenté de manière exponentielle et significative. Avec dit non badge ou ferme un jour ou ouvelle ou est sénateur a dit dépôt derrière les billes riches. Qu'on y a comment le riche là, ça me marronne. L'autre dossier qui est intéressant encore, c'est que je joue tous les quatre. Parce que moi, il n'y a pas avancé. Mais avancé. Mais avancé, guerrier. Il dit, mais avancé. L'autre dossier qui est intéressant, je dis ça, c'est le dossier maman sénateur Yuri la tortilla. Mais avant, qui était malé dans le dossier CAS là. Qui sa dossier CAS là, amis auditeurs? ULCC dit qu'on plainte a été déposée le 4 mai 2022 dans l'unité de lutte contre la corruption. Et c'est responsable organisation qui relie au champ Haïti qui demande directeur général institution pour mener une enquête sur ça où il est détournement dans le service comptabilité, pardon, caisse assistance sociale, d'un chèque de 100 000 goudes qui ont été émis en faveur organisation après ont été fait une demande de subvention bon côté directeur dans l'époque là qui c'est monsieur France Idriss et là nous sommes en novembre 2021. Yon l'autre bon après on vidéo fin prend la rue nous sommes une vidéo ça le 7 juillet 2022 on vidéo qui t'a pris viral sur réseaux sociaux qui t'a montré en quantité chèque de subvention que bénéficiaire pas jamais réclamé. Et sous base, on série de l'autre signalement, selon ULCC, qui fait état de détournement en dans CAS de plus de 5 000 chèques qui te doivent joindre moun qui pi vulnérable, moun qui n'a besoin, yo, famille défavorisée. Directeur ULCC, M. Hans Jacques-Louis Joseph, il a décidé l'ouvrir une enquête, Jean article 11, décret 8 septembre 2004, qui créait ULCCA, m'a dit ça. C'est ainsi que le directeur général a mandaté une commission enquête pour regarder qui sa dénonciation sa yoye au niveau du CAS. Comme ça, dans le cadre d'enquête, il y a une perquisition qui a été réalisée dans le local CAS. C'était en juillet 2022. Côté agent ULCCO débarqué en Chango pour y aller fournir et garder. Information et documents yo joignent, yo analysé. Bab bon matizan mi auditeur gen rel kay makorel. Bon seri de moun yo te tande et commission sa li même li talé bon côté ministère affaires sociales ak travail mas. OK, li mande yo liste toute subvention que CAS accordé pour exercice fiscal 2020-2021-2022. Et yo te parlé tout avec MAS et puis Direction Générale Impôts pour être capable de vérifier l'existence d'une série d'organisations qui ont bénéficié de subventions dans CAS. ULCC précise, qu'est-ce assistance sociale CAS? C'est une direction technique qui, sous tutelle ministère Affaires sociales et Travail, que décret loi décembre 1938 amendé, eh bien, respectivement, par la loi créée par le décret loi du 9 décembre amendé à 3 reprises, respectivement par les lois du 28 avril. Ok, exactement. Que décret loi 9 décembre 1938, là, qui amendé à 3 reprises, avec loi 28 avril 1939 et puis 25 novembre 1944, 26 mai 1971, là, sous mission CAS, eh bien, qui gagnait obligation pour assister une série de familles qui démunies. On sait le monde qui est en situation de vulnérabilité dans le pays d'Haïti, pendant apporter appui financier pour être capable de manger un petit kichoy, pour être capable de jouer dans côté pour dormir, pour être capable de mettre rad comme ça doit. Enquête ULCCA permet de découvrir, ce n'est pas 2-3 actes corruption qui gagnent en dans CAS, qui mettaient en cause plusieurs fonctionnaires en dans l'institution. Et sous base, on série de données yo joine sous ordinateur un citoyen qui est le monsieur Pierre Richard Val qui c'est comptable en chef CAS. Pendant t'a fait perquisition, commission a constaté gagnent 2 organisations fictives, ça n'est l'organisation zombie, entendez l'Éternel, entendez. Zami Sali même
li utilise organisation sa yo pour détourner l'argent dans CIS. Nan yon nan fichier ULCC joine sur ordinateur monsieur qui relève Val projet, yo joine deux lettres de demande de subvention qui concernait deux organisations qui relève intégration des jeunes défavorisés pour une nouvelle Haïti, IJDNHA, et organisation des jeunes pour le rehaussement de l'entrepreneuriat en Haïti, OJREH. Pour deux projets sa yo, que deux organisations sa yo déposé, CAS t'est accordé en avril 2022 à IJDHNA et à OJREH une subvention de 1 million de goudes côté 500 000 goudes d'aljoine chaque organisation. ULCC va poursuivre pour 10 amis auditeurs. En août 2022, OJREH et IJDHNA ont bénéficié dans le CAS en subvention de 1 million de goudes encore, à raison de 5 000 goudes pour chaque organisation. Pour l'exercice fiscal 2021-2022, organisation SAIO, qui existait seulement de nom, recevra au total un montant de 2 millions de goudes comme subvention, et ceci avec complicité un citoyen Yoel Jerry Saint-Amar qui signe comme trésorier IJDHNA et coordonnateur de OJREH. N'a pas signalé citoyen Yoel, c'est ce qu'a parlé lui qui est Jerry Saint-Amar lycée frère témoin mariage monsieur Val avait dit parrain de mariage monsieur Val qui ça rejoint dans recherche commission enquête là lui-même l'y fait. Li rive joine que OJREH, IJDHNA, qui c'est deux organisations, ça on a parlé là, deux organisations zombies. Très bien, oui. Grégory Lubé. Deux organisations, ça on me dit, qui bénéficient largesse, CAS, l'argent, l'État. Il n'y a pas existé, vrai, non? Nous prenons loin, écoutez, ma bonne nous. Organisations, ça n'a pas gagné aucune adresse physique. Et projet, il a déposé, qui fait aux jeunes subventions, pas jamais exécuté en réalité. Poser la question sur ce qui passé en date 24 novembre 2022. Ça, monsieur Val lui-même répond, ou en tant que citoyen, pièce moun, pas qu'à empêcher le déposer une demande de subvention à CRS, pourvu que demande ça lui-même n'est pas faite sous base en cas de trafic influence. Donc, selon ULCC, il est évident que deux organisations fictives, ça, on a parlé là, yo t'es instrumentalisé, donc ses œuvres comptablement chef CAS là, monsieur Pierre Richard Val, dans l'idée pour détourner l'argent l'État, l'argent CAS, que moun ki pi pauvre ta doit joindre dans le pays. C'est pas des trois malheureux, malheureux, si qu'on a vint demander là. C'est pas des trois moun a pour recevoir là chaque matin, kap plein. Pourtant, CAS qui vient comme mission pour assister moun za yo, t'as de l'argent kap détourner la donne. Et d'une tonton. Ah oui, mais Yon l'autre côté, et ULCC s'est dit, d'après données, yon jouen, et pendant l'enquête là, investigateur ULCC a découvert une autre astuce que M. Pierre-Richard Val mettait en place de concert avec un citoyen Yoel Dominique Hector Bernardin, dans l'idée pour détourner subvention qui était doué à joindre organisation dénommée Ocha Haïti. On a rappelé. C'est organisation qui a porté plainte. Li fait demande subvention, hein. Li présente papier légal, li. L'argent pas jamais venu ni, pourtant l'argent débloqué. N'a pas rappelé, c'est ça que t'es prétexte là qui fait ULCC t'a mené et enquête ça. Qui ça a joindre Ocha Haïti qui gagne siège social li dans rue Jean-Philippe, impasse Bolivar, Carrefour Feuille, Port-au-Prince Haïti. Dominique Hector Bernardin, qui ça a monsieur fait lui-même, li font faux copie attestation ministère affaires sociales et travail té bay organisation Ocha Haïti ya. Et puis les jeunes matricule fiscale et puis ils font façon pour joindre subvention ça sans problème. On a parlé de subvention de 100 000 goudes qui était destiné après on demande que organisation été fait bon côté directeur à l'époque là monsieur Franz Idriss et là c'était en septembre 2021. Cependant, d'après ILCC sans concours fonctionnaire CAS, Dominique Hector Bernardin pas t'abjoint accès à dossier au champ Haïti de déposé dans CAS là jusqu'à ce que le rivé fait faux attestation à toute matricule.
Donc, comptable en chef, organisation, pas organisation, CIS là, M. Pierre-Richard Val, dans le moment où ULCC tap tendil, dans la date 16 août 2022, il a confirmé que le service LIA a été bel et bien remettre un chèque par Dominique Hector Bernardin parce qu'il a été présenté avec accusé de réception, correspondance demande de subvention, hein, matricule fiscale organisation, hein, yon copie projet ou te déposé avec certificat de patente avec attestation qui enregistré dans le ministère des Affaires sociales et du travail. Toutefois, hier se dit y a une nécessité pour préciser pour retirer un chèque de subvention dans le service comptabilité CAS là après approbation de Madla. Moun qui désire pour faire ça par organisation doit faire partie de signataire lettre de demande de subvention qui était adressée par organisation bénéficiaire là. Et moun ça, il doit présenter une pièce d'identification valide, attestation organisation avec matricule fiscale organisation, et il doit signer à la fois bordereau de décaissement et puis cahier de livraison chèque de subvention que ba organisation. Service comptabilité à lui-même, li appelé pour jouer un rôle essentiel dans le processus pour faire organisation jeune subvention ça yo, et puis dans le processus pour contrôler les pièces qui exigeaient le bon côté bénéficiaire yo, dans le moment où il a livré chèque là. Monsieur Pierre-Richard Val, qui est comptable en chef CIS depuis 18 février 2022, eh bien, il a assez d'expérience d'après ULCC dans la boîte là. Vales, on me dit Vales, ben ok, Vales, V-A-L-E-S. Yeah. Merci, guerrier. Ligue, selon ULCC, suffisamment d'expérience dans l'exercice fonctionnel pour l'assurer que chaque de subvention cap sorti yo a joint une véritable destinataire yo. Et comme ça d'après ULCC, chaque de subvention ça qui te doit joindre une organisation au champ Haïti a et ben qu'al joindre Dominique Hector Bernardin qui fait le passer pour coordonnateur dans l'autre organisation fictive qui gagne même nom, il pas qu'à considérer comme un simple erreur ou bien hasard d'après enquêteur ULCC. Monsieur Pierre-Richard Vallès, comptable en chef là, eh bien, il a décidé avec toute sa foile pour aider Dominique Hector Bernardin pour jouer un chèque ça pendant qu'il a utilisé eux-mêmes de faux documents. ULCC a poursuivi pour dire, commission enquête l'a constaté pendant l'année fiscale 2021-2022, même comptable en chef ça, monsieur Pierre-Richard Vallès, eh bien, l'été a ajouté dans différentes listes moun qui a bénéficié de subventions non proches li avec proche madame ni. En fait, c'est là. D'après ULCC, qui recueille des données dans le cadre d'investigation, ça, proche monsieur Pierre-Richard Valessio, il a bénéficié des chèques de subvention qui évaluent en total, tenez bien la République, 1 765 000 goudes pendant un seul exercice. Et ULCC qui a commenté, monsieur Pierre-Richard Vallès, pendant la JICONSA, qui lui-même a une mission de service public au regard de l'importance ou rôle dans le processus pour moun joindre la subvention dans la CAS, eh bien, prend possibilité ou prend position pour lui mettre en avant intérêt personnel li dans le cadre d'opération. Ça veut dire, monsieur, c'est tête de l'ouest. D'après ULCC, avec action ça, agissement ça, M. Vallès commet un acte de prise illégale d'intérêt. C'est un fait qui prévoit dans l'article 5-13, loi 12 mars 2014, là, et qui punit par même article ça, qui vient pour avec prévention et répression, corruption. ULCC a poursuivi pour dire, en dehors de acte présumé corruption, ça a eu, qui poté responsabilité M. Vallès, comptable en chef CIS, commission enquête là, signalé tout. Gon madame Yoele Ivrose Alcide, qui c'est fonctionnaire ministère affaires sociales et qui c'est membre cabinet actuel directrice CIS là, madame Edwine Tonton, qui abusait de fonction li, qui abusait de position de influence li, pour le capable joindre pendant plusieurs mois, notamment le mois de janvier 2022, une subvention d'un montant de 500 000 goudes au profit d'une organisation PAL qui en Babral, qui est l'AFPD, qui est identifié par son numéro d'immatriculation fiscale 00635678-9. Mais ça a blandi, amis auditeurs.
dans le document ça, yo dit nous konsa gon dame qui rele Yvoz Alcide. Dame ça travaille dans le ministère des Affaires sociales. Pendant madame Edwin Tonton vin directeur CAS, la directrice CAS, pardon, li vin dans le cabinet. Alors faut noter et ULCC souligne ça. CAS pas en direction générale, son direction technique qui sous tutelle ministère des Affaires sociales. Ça veut dire que ça veut dire bah cabinet il t'a posé problème pour moi dire administration publique là très bien. Ça veut dire ou pas directeur général, ou pas directeur général pour un cabinet. Il vient de pratique parce que la majorité qui dit que tu passes, même yo. Eh bien, dame, ça lui-même, pendant la cabine, attendez bien la République, il fait une organisation par le tout en Babral. Et puis, pendant moi, janvier que je suis passé là, selon ULCC, janvier 2022, pas 2023, non, eh bien, il bénéficie en subvention de 500 000 goudes. Suivant information, direction générale impôt communiquée par ULCC, organisation ça a enregistré sous nom Madame Yvoz Alcide, c'est dame, ça m'a parlé nous, hein, qui identifié sous numéro NIF 003-670-901 par ses agissements. Ça, c'est ULCC qui a conclu. Madame Yvoz Alcide commet, même j'ai avec Kotaban chef là, un acte trafic d'influence passif. Et c'est même bagarre à tout pour Madame Edwin Tonton, qui est directrice CAS là, qui lui-même, malgré le compte ça, lui connaît dame nan, dans le cabinet, lui connaît organisation et vous dame nan, mais li octroyé ou bien li agréé de Madelin. De Madelin quand même, en subvention sollicitée par Madame Alcide. Et n'a pas noté, en parlant de Madame nan, qui t'a fait le passer pour une lanceuse d'alerte au moyen de vidéo, il y a ceci t'a parlé sur les réseaux sociaux, dans le cadre d'un scandale de détournement de plus de 5000 chèques du trésor public, eh bien, il dit ni Madame Tonton, ni Madame Alcide, il t'a poursuivi pour trafic d'influence. Fait qui prévoit et puis qui punit dans l'article 5.9, ok, loi 12 mars 2014 qui portait prévention et répression corruption. Bonne fois, c'est comme ça. Est-ce que nous songez, t'es une vidéo qui est sortie dans CAS côté Madame Tonton, qui est actuelle directrice CAS, t'a dit, mais chèque Zobi, chèque comme si, qui signe ou bien qui sortit sous nos séries de bénéficiaires. Bénéficiaire va exister, vrai. Mm-hmm. Son série de monde dans la boîte là, eh bien, qui fait coûte mal taillé pour bénéficier de l'argent ça? Près de 5 000. Eh bien, qui ça ULCC dit? Pour ULCC, ni madame qui a fait ça, madame Edwin Tonton, et puis une dame qui a fait bas en bas en bas, qui a dit, mais chèque yo! Mm-hmm. Eh bien, dame, ça c'est lui-même qui madame Alcide là, c'est madame Zayo Jouen qui prend une organisation pâle qui a bénéficié de subventions dans la CAS. Donc, ULCC dit, vous avez de poursuivre ni madame Alcide, qui dans le cabinet. Vous avez de poursuivre ni madame Tonton. Bon, vous avez les mêmes. J'ai dit même, c'est de marier tout de suite. C'est une couette. Commission a constaté au lot bon. Il y a un véritable laboratoire de production de faux documents officiels en dans service informatique CAS. Tant de causes, monsieur. L'IPRE pour témoignage, plusieurs pièces d'identité à documents légaux, tant que patente, matricule fiscale, qui falsifié, ils joignent en de CAS, sous ordinateur qui dans service informatique là. Et au joint ça, c'était dans date 11 juillet 2022. Faux pièces ça yo, c'est des employés qui affectés dans service informatique là, eh bien qui utilisaient dans accomplissement forfait des photos des lieux de naissance, des noms, des prénoms divers monde, par exemple, ou doit venir là avec un document légal et puis eux même à partir du document légal pour là yo prend toute information yo fait pa yo pour capable bénéficier de l'autre bagaille. Mais ça vous dit blanc dit en dans service informatique CAS là bon laboratoire pour dire produit faux document avez ou besoin faux patente ou jeune ni ou besoin faux lettre de demande de subvention ou jeune ni ou besoin faux reconnaissance au niveau du ministère des affaires sociales ou jeune ni c'est ça rue c'est dit là pas moi dit par exemple yo vient avec plusieurs cas gain cas de Philogène Emmanuel qui s'employé CAS. Il a identifié le numéro fiscal 004-638-440-01. Il fait Port-au-Prince 30 juillet 1990. Et pendant l'emploi CAS, il a bénéficié à l'allocation mensuelle que Tigran Moun a déjoué. T'as donc causé l'éternel. Tigran Moun qui n'a pas travaillé avant, pas de famille, Moun n'a pas aidé, qui était jeune comme ça, emploi au fond Jean, en dans CAS encore, c'est eux-mêmes qui ont bénéficié de chèque là. Il y a un cas d'Onzio Diolanda, qui a deux pièces d'identité avec deux photos, deux dates de naissance différentes. Deux lieux de naissance différents. Dans le même nom. Il y a ceci dit, il y a noté que cette même Donzir Diolanda,
il partage même photo d'identité avec mon monde qui est le bonnet Adelina qui identifié dans le numéro 01019199909 patati patata son signe avec Michel Kerline identifié au nom de 01026 1995 11 00055. Bon matière attention sur ça. Un seul monde, mes chers amis, attendez bien, un seul monde, il y a deux pièces d'identité avec deux photos, deux dates de naissance, deux lieux de naissance différents. Ça vous comprend toujours. Un seul monde, il y a même photo avec deux autres monde. Avec dit, l'organe photo, c'est la même photo ça qui est pour Bounet Adelina, qui est même pour l'autre numéro d'identification, il pour Michel Kerline, qui est même pour l'autre numéro d'identification. ULCC vient avec cas du Proville Wisso, qui est identifié au numéro de 003-836-817-7, 001-99-1979-09, ça son numéro 6, ça fait le logo comme ça. L'IPAYET trois fois sous liste moun qui doit bénéficier à l'allocation qui au bail moun qui handicapé. Il paraît tout sous liste moun qui bénéficie de subvention pour ti grand moun yo. Tenez bien, oui? Mm-hmm. On seul moun nan zami auditeur selon ULCC li paraît nan liste moun qui doit bénéficier subvention m'a parlé de moun handicapé il paraît trois fois là-dedans.